Que la force soit avec vous. Quand j'ai commencé la muscu, donc ça fait presque 30 ans maintenant, il y avait un truc qui faisait rêver, c'était la protéine S du docteur Henri Fagot. Alors enrichie aux muscles de cheval. Donc là, on rigolait pas, hein. Et moi, quand je voyais ça dans les magazines, je me disais, ah, si j'avais ce truc-là, je progresserais sûrement plus vite et tout. Donc voilà où on en était. Donc pour énergie, vitalité, force. Donc, à défaut de retrouver cette protéine aujourd'hui disparue du docteur Fagot et de son fameux matériel de musculation, pareil, quand je voyais un banc pareil, un banc comme ça, je me disais, oh là là! Alors, 2700 francs, ça fait plus de 400 euros et c'était il y a 30 ans, donc ça coûtait la peau des fesses pour un banc pas terrible. Donc, à défaut de trouver cette protéine, là, j'ai retrouvé des poids du docteur Henri Fagot. Donc, rien que pour le fun historique, là, un 25 kilos, et là, un 10. Donc, pour le fun historique, et en hommage à la fameuse protéine S. Enrichi aux muscles de cheval, j'ai racheté ces poids. Alors maintenant, est-ce qu'on progresse plus vite avec les poids Henri Fagot? Ça reste à déterminer, mais bon. Et puis il y avait aussi, alors ça fait un moment que j'en cherchais, c'est des poids Weider. Alors là, c'est sûr qu'on progresse plus vite avec les poids Weider qu'avec des poids classiques, hein, parce que Arnold s'entraînait avec, donc. Si Arnold s'entraînait avec, c'est que c'était du costaud. Et puis moi, à l'époque, mes premiers poids, à part ceux en plastique que j'avais montré l'autre fois, c'était des olympiques. Alors ça, c'est une horreur, les poids olympiques. C'est vrai qu'ils étaient solides, chers, etc. Mais quand on les met un peu trop de biais, voilà ce qui se passe, c'est garanti. Alors là, ça a le don de m'énerver. Au possible. Donc là, les poids Weider, ils sont un peu moins ronds. Ceux-là, ils sont carrément droits. Donc ça n'arrivera pas. C'est déjà une bonne chose. Mais les poids olympiques, qu'est-ce que j'ai pu m'énerver avec?